Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va tenter en trois petites étapes de régler le souci de la saturation de votre CPU qui tourne à 100% la majorité du temps sous le jeu Call of Duty Modern Warfare. Allez, c'est parti. Première étape, lancez le jeu. Peu importe le menu sur lequel vous vous trouvez, vous faites CTRL, ALT, DELETE et vous cliquez sur gestionnaire de tâches. Au niveau des processus, vous sélectionnez avec un clic gauche Call of Duty, s'ensuit un clic droit et au niveau du menu, vous faites accéder aux détails. Au niveau de cette nouvelle liste des détails, Modern Warfare c'est sélectionné par défaut, sinon vous faites un clic gauche, suivi d'un clic droit et vous faites définir la priorité, vous la passez de haute à normale. Vous modifiez la priorité et vous fermez le cadre. Première étape. Ensuite on retourne sous le jeu. Les deux autres étapes vont se passer dans les options. Au niveau des graphismes, il faut veiller à ce que, au niveau de l'affichage, le mode d'affichage, que vous soyez en plein écran. Et l'autre option, la troisième étape, c'est vérifier que les meilleurs moments Nvidia sont bien sur 100. Une fois que vous avez fait ces paramètres, vous faites un retour au bureau et vous relancez le jeu. Alors c'est une solution qui a fonctionné pour moi, ça empêcher d'avoir des lags fréquences, à empêcher d'avoir la fréquence du processeur qui tourne à 100%. J'espère que ça a fonctionné pour vous. N'hésitez pas à me faire savoir quoi en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous dis merci et ciao ciao.